Accueillis comme des rockstars, les équipes de la Vienne et de la Haute-Vienne ont droit aux acclamations du public, des centaines de personnes venues les encourager. Car la Silver Geek, c'est le moment le plus joyeux de la Gamers Assembly, instant de partage entre les différentes générations de joueurs. Dans les coulisses, les concurrentes de La Rochelle attendent leur tour, stupéfaites. C'est une ambiance de fou, moi j'ai jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'il y ait une ambiance comme ça. Hein. Moi je pensais qu'on allait dans un petit coin, mais là c'est vraiment géant. Ah là là. Dans le public, Bernard, 95 ans, il aurait pu être sur scène. Nous l'avions suivi fin mars lors d'un entraînement dans sa résidence spécialisée de Poitiers, un pro du bowling virtuel, mais il ne s'est pas qualifié pour cette finale. L'essentiel est ailleurs, la Silver Geek occupe nos seniors une bonne partie de l'année. On s'entend bien, on se charrie les uns les autres, c'est normal. Mais on s'entend très bien et ça passe une bonne matinée. Hein. C'est agréable, on est une bonne équipe, on rigole. On retourne en enfance. Mais Bernard peut quand même goûter à l'ambiance de la Silver Geek, même si ce n'est pas lui qui reçoit les honneurs de cette foule déchaînée. Ah bah là c'est drôle. Et puis c'est beau aussi, c'est des retraités qui se mettent au sport et tout. La magie de la Silver Geek a encore opéré, les jeunes et les anciens sont ensemble, connectés.